du Pâques. Mike, le poulet sans tête, vous êtes au tribunal aujourd'hui car vous avez commis un acte totalement interdit. Je vous ai vu au McDonald's en train de consommer de la volaille. Or, cela s'appelle du cannibalisme et c'est interdit dans notre pays. Permettez-moi de m'y opposer. Je me présente, je suis Bébert Dinosaure. Je viens d'une dimension où tous les humains ont été éradiqués et où nous autres dinosaures sont une espèce très développée. Comme il est écrit sur le carton, il s'agit d'un vrai veggie. Et quand on regarde la liste des aliments, ce n'est pas du poulet, c'est du lupin. Comme dans Harry Potter. Un produit chimique censé reconstituer le goût du poulet. Donc sur ce point, Mike le poulet n'est en aucun cas en tort. Bien, dans ce cas, l'affaire est close. À la bonne heure. Ouais, bon, peut-être que sur ce point t'as raison, monsieur, je sais tout, mais il y a plein d'autres fois où Mike le poulet a défié la loi. Le colonel Bonders confirme ce qu'il a dit. J'ai jamais vraiment compris pourquoi, mais il prend mal à plaisir à traverser tous les passages piétons sans regarder si les voitures pouvaient passer. Dans ce cas, je dois vous rappeler que j'ai des lacets. Circulation est également un acte totalement puni par la loi. Ouais. Eh bien, dans ce cas, je ne vois qu'une seule solution au problème. Cours, Mike. Rattrape-le. Et pas si vite. Oh, il m'a griffé, il cache un katana dans son cou. À la bonne heure. Veuillez revenir ici immédiatement. Mais comment je vais faire pour rentrer, moi?